tous les vendredis de 18 à 20 heures, c'est Relâche. Avec Simon. Allez, bonsoir. Jacques Higelin nous a quittés aujourd'hui à 77 ans. Après une longue maladie, qu'il repose en paix. Hommage avec cette chanson, La Croisade des Enfants, dédicacée et offerte à Abdel, ses enfants et son épouse, et tous les salariés du centre social Bouali à Tourcoing. Merci Abdel. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie? Dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. J'suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. C'est grand pour la vie. FM, le seul compromis, la bonne musique. Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Y'a quelqu'un d'autre dans ta glace, entre les potions et les crèmes, tous les petits pots qui s'entassent, tu vois, le temps est passé quand même. On croyait faire du surplace, à ça on s'en est donné de la peine,
On se dépense, on se démène, et même sous les pas d'une reine, la grande aiguille se déplace. On a visé l'éternité, on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. Entre les chaos du parcours, les demi-tours, les impasses, les grandes nuits, les petits jours et tout ce qui raye la surface. On tombe chacun à son tour, entre les griffes du rapace. Le seul remède c'est l'amour d'ailleurs, c'est pour ça qu'on court d'un bout à l'autre de l'espace. On va viser l'éternité, on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On est loin d'être lassé. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. Et c'est pour ça qu'on va rester, rester, rester. J'aurais aimé te la porter sur un beau coussin de dentelle, la niche où se cachent les clés de la mécanique éternelle. Mais l'horloge est hors de portée, et ce n'est pas là l'essentiel. Elle peut continuer de tourner, elle peut tout emporter. Je te trouve chaque jour plus belle. On va viser l'éternité, on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. On est loin d'être lassé. Dans un coin de mes pensées, une vie à t'enlacer, mille fois recommencer. On va rester, rester, rester. On n'est même pas pressé. Pour tous ceux qu'on a blessés, qu'on aurait dû embrasser, autant tout recommencer. On va viser l'éternité, on est tellement bien ici. On va tout faire comme si on était parti pour rester. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont, quand ils s'en viennent, le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, bah y'a rien à dire, y'a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux.
quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels quand ils vous parlent d'eux? Y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut mal dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça me prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je... Yes! Ça fait plaisir d'être avec vous, ça va bien? Oui! Ouais, je vois que vous êtes un peu barrangés, on va se faire une ambiance d'émeute. Faites-moi une ambiance d'émeute pour voir. Oui! D'accord, donc il y a un côté qui mange des enfants, hein, et il y a un côté qui m'a fait une émeute bizarre. Wouhou! Va faire une émeute! Va brûler des voitures, les pompiers vont venir. Je suis très content d'être avec vous, je me présente, je m'appelle Wally Dia, Dia en français, ça veut dire magasin, premier prix de merde. Vous connaissez ces magasins ou pas? Hein? Ah, les pauvres sont là, d'accord, hein? C'est magasin premier prix pourri où les yaourts, ils ont un goût de viande, là, tu vois, c'est... où il n'y a pas de marque, là-bas, le Nutella, il s'appelle pas Nutella, il s'appelle pâte à tartiner, hein? Pâte à tartiner tellement dur, tu manges ça, tu chies les briques, hein, c'est abusé. Ah, les Portugais prennent ça pour construire des maisons, tellement ça colle, je te jure. Bah, tu sais comment on dit ciment en portugais, c'est pâte à tartiner, ou caray, c'est comme ça. Allez. Tout le monde sait que t'es pauvre dans ce magasin. Les clients entre eux, ils se regardent, ils se comprennent. Hein? Un jour, on ira chez Carrefour, Inch'Allah. Ils peuvent même pas se payer un vrai vigile. T'sais, qu'est-ce que c'est un vrai vigile? C'est un black en costard avec une oreillette. Même si on sait que dans l'oreillette, en général, il y a du zouk. Hein? Tu vois quel mec je te parle? Le mec qui fait 2 mètres sur 2 mètres, mais quand il te suit dans le magasin, il croit que personne l'a vu. PC Sécurité pour Zougoulou Kata. J'ai repéré le volet des chips. Hein? Mm-hmm. Non, il peut pas me voir, je suis caché dans les chaussettes noires. Tu te vois? Ils ont que des petits vigiles là-bas, des petits roux qui boitent. Je te jure, quand t'as volé des chips, t'as l'impression que c'est Gollum qui te court après. Il est parti. Dia, ça vient du Sénégal. Est-ce qu'il y a des Sénégalais dans la salle ce soir? Non, ils n'ont jamais assez d'argent pour venir au spectacle, c'est vrai. Je suis métis, ma mère est française et mon père est sans papier. Et c'est un peu compliqué d'expliquer à mon père ce que je voulais faire comme métier. Je lui dis, ça y est papa, je vais devenir comédien, ça va être génial. Il m'a dit, arrête vite les conneries qui sortent de ton bouche, des bâtards, des salopards, des merdes là. Je dis, mais papa, je fais ce que je veux, je vais frapper ton tête fort. Hein. Je vais racler ça contre le crépi là, ça va fermer ta gueule de cougnouf de merde. Hein. Je dis, mais papa, arrête, ça va me rapporter de l'argent, je vais pouvoir quitter la maison. Ça c'est bonne idée ça. Thérèse, vous voulez que je fasse des études? Mais moi, en cours, je dormais. Et quand tu dors, les profs ont une phrase pour te réveiller. Faut dormir la nuit, hein. Et ben, faut se laver les dents le matin aussi, hein. Est-ce que ça sent le Far West dans ta bouche, mon ami? Ben, tu m'as parlé, j'ai perdu un sourcil. C'est pas normal, ça. C'est flippant. Y'a qu'un truc qui me faisait vraiment peur à l'époque, c'était le carnet de correspondance. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Le casier judiciaire des élèves. Plus t'avais de mots dedans, plus t'étais un gangster. Jusqu'à ce que tu doives le faire signer par tes parents. Mon père, quand je lui ai donné le carnet, au lieu d'être en colère comme tous les papas, il était heureux. Parce qu'il savait ce qu'il avait le droit de me faire derrière. Putain! C'est la merde, hein? Si mon fils il a fait tout ça là, il va mourir bêtement, hein?
Non, c'est moi, j'ai foiré cet enfant, faut dire la vérité. Si j'ai fait ça vite, pam, dans le noir, là, j'ai loupé ça. Viens. Viens, je vais pas te taper, viens. Non, tu sais, moi, je sais pas lire ça. Hein. J'ai senti. Ça sent la merde pour toi. Hein. C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie. Mais pour toi, l'aventure s'arrête là. Tu es nominé. Si vous voulez sauver cet enfant, tapez-le directement. Hein. Et je dis, vas-y, papa, c'est bon, t'es relou, là. C'est relou de moi? Ça fait longtemps que j'attendais qu'il dise un truc comme ça. Allez, cours, je te laisse de l'avance, cours. Top 3. Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. 3, 2, 1, 0. Let's start the party. À courir du Pacifique à l'Inde, on voulait quoi? On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. On voulait juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'entends les mélodies grises et toutes ces voix qui disent ils viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs. J'entends gémir les cœurs. Et si j'avais su, si j'avais pu, et si j'avais eu moins peur. Et fumer les cigares, ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires, pendant qu'une bande de dingues au fond de leur cité vont m'arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on couse à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines. The times were changing. On pouvait planter des fleurs. Juste des jours meilleurs. Juste des jours meilleurs. J'en ai trouvé qui s'amène, ils s'envolent, ils t'emmènent et tu t'en vas. Tiré par 36 planeurs. D'un lit du tropical équateur. J'en ai trouvé qui passe en travers de moi, un ouragan qui casse un grand pont d'habitude et puis qui s'en va. L'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé l'impossible et dans un soupir du temps l'apercevoir. Même si je vois encore des sardines alignées dans de l'huile de moteur, il me reste un couplet d'Imagine qui m'emmène ailleurs. Juste les jours meilleurs.
juste les jours meilleurs. Encore et toujours de purs moments de bonheur avec Simon. Creyendo poseer un gran amor más bello.